Selon l'ADEME, les réserves mondiales qui étaient estimées à 1000 milliards de barils sont aujourd'hui épuisées. Les bourses du monde entier, en allant de Tokyo jusqu'à New York, sont fermées définitivement, ce qui entraîne la chute du système bancaire. Le chômage touche 60% de la population active. Les économistes annoncent une hyperinflation. Au supermarché, le panier moyen coûte 500 euros. La ville connaît son troisième jour d'émeute. La population réclame de l'eau, mais les réservoirs sont à sec. 65 heures avant l'effondrement, des millions de réfugiés gagnent le nord pour obtenir un billet en allant vers un lieu sûr. Bouge-toi de là. Ah, tu la touches pas. Quoi, y'a quoi? Je suis l'avant, moi. Et alors? Mais alors quoi? Replacez-vous. J'étais l'avant. Ferme ta gueule, replace-toi, je t'ai dit. Replace-toi. Hey, si j'entends encore parler de toi, je te bute, t'as compris? T'as compris ou pas? Ouais, c'est bon. Yannick, pour Omar, viens dans le secteur A. Occupe-toi d'eux. S'il y en a un qui bouge, tu le butes, ok? Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je voulais savoir, il y en a encore pour longtemps? T'attendras comme les autres. Ok, bien reçu. Au suivant. Mais c'est du grand n'importe quoi! Qu'est-ce que je vais leur dire à ma famille, hein? Tu nous laisses crever! Monsieur, je comprends, mais sans marchandises, on peut pas vous aider. Ah, tu peux pas m'aider? Mais tu sais qui je suis, moi? Yves Delacroix, PDG DLC Corp! Ma famille, elle a énormément investi pour cette ville! Oui, bravo pour vos palmarès, mais je suis désolé, c'est la même règle pour tout le monde. Ah, la même règle? Mais qu'est-ce qu'ils diraient, les gens, hein? S'ils savaient vraiment ce que vous faisiez avec toutes ces marchandises, hein? Qu'est-ce qu'ils diraient? Dégagez-moi ça. Lâche-moi, toi! Dégage. Vous n'avez pas le droit! Avec tout ce que j'avais, c'est cette putain de vie! C'est comme ça que vous me remerciez! Lâche-moi, toi, salut! Putain, mais lâche-moi, connard! Lâche-moi, bordel! Allons-y, au suivant. C'est doux, ça? De mon ancien lieu de travail. Travaillant en grande surface. Dans la comptabilité. Ah bon? Mais du coup, la situation s'est dégradée, du coup, j'ai quitté. Et mon fils est tombé grave malade. Ouais, du coup, comme j'ai partout, oui. Ok. La navette sera là dans une heure. Je vous conseille de rester dans le hall afin de partir très vite pour éviter les débordements. Il est où, le deuxième? Comment ça, le deuxième? Bah, pour mon fils. Il est où, votre fils? Je vous ai dit, il est gravement malade, du coup, il reste à la maison parce qu'il peut pas se déplacer. Donc, il faudra ajouter... Attendez, monsieur, je vous ai donné 200 euros de marchandises. Ça suffira pas. J'ai plus rien. Plaisantez, on n'accepte plus les bijoux ni les espèces depuis l'effondrement des banques. Attendez, vous comprenez pas, si c'est la montre de mon arrière-grand-père, ça vaut une fortune. On s'en fout de ça, madame. Nous, nous faut de la marchandise. Je vous dis que j'ai plus rien. Si vous voulez, donnez-moi un deuxième billet. Donnez-moi un deuxième billet. Je peux pas abandonner mon fils. Hein, vous êtes père de famille, vous pouvez me comprendre. Vous allez pas abandonner vos enfants. Hein?
Alors, s'il vous plaît, donnez-moi un deuxième billet. Je suis prête absolument à tout. À tout. Je fais tout ce que vous voulez. Tout, absolument. Donnez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-moi un deuxième billet. Le temps avance, les prix augmentent, les places sont comptées. Ok? Donc, c'est pas négociable. Putain, mais je vous dis que j'ai plus rien. Qu'est-ce que vous voulez que j'apporte de plus? J'ai plus rien, j'ai que moi, ce que j'ai là, en fait, devant vous. S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi un deuxième billet. Non, je veux pas abandonner mon fils, monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi un deuxième billet. Monsieur, j'ai plus rien. Madame, vous reprenez vos affaires, je vous prie de quitter mon bureau. Sinon, j'appelle la sécurité, je retire votre billet. Allez, dépêchez-vous. Pas que ça à faire. Hey, n'oubliez pas de rester dans le hall et laissez votre fils crever. Sans blague. Ok, plus que ça.